Mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bonjour. Bienvenue sur My Fishing 80. Bon ben c'est Yann. Alors, bon ben vous avez remarqué, là on est au bord de l'eau. Donc aujourd'hui c'est pêche. Bon, avant de commencer, un grand merci aux fidèles abonnés à la chaîne. Ouais, franchement, c'est vraiment cool. Hein. Et merci aussi aux pêcheurs et pêcheuses qui me suivent sur Facebook et qui s'inscrivent sur notre groupe. Voilà. On a un groupe bien dynamique. Comme ça, quand vous faites une belle pêche, vous nous laissez des souvenirs. Voilà, c'est sympa. Puis c'est sans prise de tête. Hein. Alors, le thème du jour. Pêche au canal en flotteur plat imprimé 3D. Ça y est, on l'a. Et celui-là, il réserve des surprises. vous n'en aurez jamais vu des comme ça. Alors, là, ça va être pêche. Donc, j'ai monté le 6,5 g et 10 g. S'il faut, je passerai aux 15 g. Je sais pas, j'ai vu, ça court quand même. Ça va être une pêche à 11 mètres. Il y a beaucoup de courant, donc je vais voir. Est-ce que 10 grammes, c'est assez? On va essayer de glisser, on va caler, on va faire les deux. Pour cette pêche, la seule chose que j'ai acheté comme appât, c'est uniquement une boîte de maïs doux. Voilà, ce que je vais essayer de faire venir les brèmes. Je teste aussi une amorce de ma composition à 100%. Et j'ai des verres de vase, gratuits, vous avez le tuto. J'ai des asticots. Et des pinky gratuits, vous avez le tuto, hein. Et des verres de terreau, bah également gratuits. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Allez, on va s'installer parce que il va flotter. Voilà, ça va être encore une journée sous la flotte. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis bien équipé. Et puis on va essayer de faire du beau poisson. Allez, c'est parti. Avant de sonder, je prépare l'amorce, parce que c'est une amorce de ma composition. Je teste. De toute façon, tout ce qu'il y a dedans, c'est des ingrédients que j'ai déjà validés auparavant. Donc normalement, cette combinaison-là devrait bien aller. J'ai teinté en noir. J'ai mis du colorant à béton dedans. Je veux pas que ça soit noir. Moi, j'aime bien marron, couleur du fond. Allez, on y va. De la terre, j'en ai 4 kilos. J'ai eu de la chance. C'est de la terre de Somme. J'ai eu le dernier sac au magasin, en promotion, à 33 euros. Eh, heureusement, c'était le dernier. Non, c'est des conneries, ça, vous savez bien. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit dans la vidéo. Ça, c'est de la terre de Somme de chez moi, que je récolte, c'est gratuit. Hein. Et là, j'ai trouvé un tas de terre, c'est encore mieux que les tops. Il y a eu du TP, j'y vais, je me sers, et là, j'en ai 100 kilos. Je suis tranquille un moment. Ça, c'est du limon profond, c'est pas de l'argile, mais par contre, c'est du plomb. Hein. Tu jettes là, boum, ça tombe là. Hein. Allez, j'ai 2,5 kg d'amorce. Ben, je vais mettre 2 kg de terre, à peu près la moitié du sac. Là, ça court, hein, y a du courant. Je veux bloquer le fish. Un litre d'eau. Du triple X Boost 6000 plus Premium Expandable. Ça, une valeur sûre. Aujourd'hui, je le sens bien, je vais mettre 6 pipettes. Une pipette, c'est entre 2 et 3 millilitres. Ça, vous savez ce que c'est, hein, je l'ai déjà dit. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on va laisser gonfler. Pendant ce temps-là, je vais sonder. Faciliter le sondage. Tous nos flotteurs plats mesurent 20 cm du bout de la quille jusqu'au dessus. J'utilise des bas de ligne de 20 cm. Ben, c'est simple pour faire le sondage. Dès que j'ai le bout de la quille qui touche l'eau, que je suis bien vertical sous la canne, ben, ça veut dire que mon fond est réglé. Le flotteur va descendre et je vais traîner de 20 cm. Après, on ajuste. Voilà, fallait y penser, hein. Hey, hey, hey.
Voilà, là on est parfait. Quand la quille vient juste toucher la surface de l'eau, il me reste encore 20 cm la taille du flotteur. Ça fait que quand je vais glisser, mon bas de ligne va être, je vais être posé sur le fond. Voilà, je vais traîner de 20 cm. Après, j'ajuste, hein. Bon, ben ça y est, c'est parti, ça flotte. Allez, là, ouais, ça c'est bien lourd, ça. Ouais, là, l'amorce, elle est bonne. Allez, je vais intégrer les éches. Allez, les asticots noyés. Hop, allez, c'est parti. Bon, je vais aller chercher un seau avec un couvert. Hé, salut mes pêcheux, salut mes pêcheuses. J'ai entendu Yann qui disait « Une nouvelle amorce, ça m'intéresse ?» Attends, moi je vais te dire si elle est bonne ton amorce. Mmh, à la vache. Oh, dis donc, ça c'est assaisonné, hein, dis donc, la vache. Oh, tu m'étonnes qu'elle est bonne. Hé, l'assistant, là. Non, non, arrête tes conneries, là. C'est pas pour toi, c'est un test, là, c'est pour le fiche. Ouais, ben Yann, moi je te confirme, hein, ton amorce, elle est bonne. Hein. C'est un régal. Mes pêcheux, mes pêcheuses, gardez la pêche, amusez-vous bien. Merci aux clients. Allez, c'est parti. À l'amorçage. On fait du plouf. À longueur de canne. Hein. J'ai 2,50 m de fond. Là. Flotteurs plats, voilà, c'est les flotteurs plats MyFishing, ils se présentent comme ça. Voilà. Donc là, les antennes sont interchangeables. Hein. Hop, l'antenne, on la retire. On peut y mettre un élargisseur si on la voit pas bien. Voilà, c'est le même principe sur tous nos flotteurs imprimés 3D. Hein. Voilà. Donc celui-là, c'est le 10 grammes que j'ai monté sur une canne avec un stripa et élastique de 1,6 mm. Il est très plat. Hein, voilà. C'est le principe du flotteur plat. Alors là, j'ai le 6,5 grammes. Toujours avec l'antenne amovible. Hein. Bon, là, j'ai mis l'antenne jaune. Hein. On peut mettre jaune, orange, noir. Voilà, hein, c'est comme on veut. Hein. Alors, conception. Un corps incassable. Hein, voilà, hein, imprimé 3D, ça, c'est du PLA français. Hein, c'est cocorico. Hein, incassable. Hein, quille carbone. 1 mm. Incassable. Hein, fixation inox. Voilà. Donc après, bah, c'est le même principe, hein. La ligne, là je suis en 18 centièmes, bas de ligne 12 centièmes. Et il a une option, ce flotteur-là. Parce qu'en fait, là, ça, il est en position, je vais dire, à glisser. Et si je veux caler, je change l'inclinaison de l'antenne. Là, vous voyez comment elle est l'antenne. Hop. Ou si je veux freiner fort, 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 ou caler, hop, voilà. J'incline l'antenne comme ça. Quand l'antenne est droite, tu as la bonne vitesse. Et là, quand vous avez cette position-là, ça freine fort. Hein. Enfin, moi, j'utilise aussi pour caler. Hein. Voilà, je vous remontre. Là, c'est la position pour freiner très fort et caler. Puis là, c'est la position, je vais dire, à glisser ou quand vous avez moins de courant. Voilà, avec le même flotteur, vous pêchez dans des différentes conditions. Hein. Voilà. Allez,
Maintenant, on va pêcher. Et là, on est dans les conditions optimales. Du beau soleil. Eh, bien équipé, ça passe. Hein. Ouais, la ligne de 6,5 grammes, c'est pas la peine. Eh, j'ai trop de courant. Je vais garder juste deux lignes, 10 grammes et 15 grammes. On n'est pas bien dans la Somme. Hydratation de la peau. Bon alors là, ouais, important, il y a de l'orage. Donc je vais laisser passer l'orage. Je touche plus à ma canne. Eh, j'ai pas envie de griller, hein. Allez, on fait un petit tour vers la science des appâts. Bon, ça va aller vite, hein, je vous ai dit. Hein, donc là, j'ai les asticots, hein, c'est mes asticots maison. Hein. Enfin, ça, c'est moi qui les fais, hein, c'est gratuit. Hein, bon, ils sont blancs, mais ça marche bien. Hein. La seule chose que j'ai acheté, c'est cette boîte de maïs, là. Voilà, c'est du maïs doux. Hein. Là, j'ai les terreaux de mon composteur. Mmh. Voilà, ça, je vais poser sur le fond, là, puis on va voir. Tiens, Yann, au fait, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Ouais, c'est la nouveauté. Bah ouais, j'ai trouvé ça dans un magasin de bazar. Hop! C'est une boîte à pain. Mais c'est en inox, donc ça rouille pas. Et puis bah pour transporter mes appâts, c'est nickel. Voilà, je le ferme et puis voilà. Hein. La seule modif que j'ai fait, c'est que dedans, j'ai percé 5 trous. Voilà, comme ça, quand il flotte, ça s'écoule. Puis voilà, bah, ça, c'est bien pratique. Hein. Moi, ça me va. Hein. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça, c'est les verres de vase que j'ai fait chez mon copain, là. Voilà. Ils sont beaux, hein. Ça, c'est pareil, c'est gratuit, hein. Bon, faut pas oublier, si vous habitez dans la région d'Amiens, allez faire un tour chez Cyril. Son magasin, c'est à Toupèche 80, à Rivry. Vous serez bien reçu, et puis vous serez agréablement surpris. Et voilà. Hein, fiche. Ah, c'est le flotteur plat, 10 grammes, là. Et là, je freine fort. Vraiment fort, hop, allez, un beau gardon ça. Et on y retourne. Ah, il est super sensible mon flotteur. Je suis content, c'est une... Ma femme elle a fait encore une prouesse là. Allez, par ici le fish. Le brochet est encore là, il est monté pour bouffer mon flotteur. Oh. Ouais, il est monté et tapé dans mon flotteur. Bon, on a un invité surprise. Ah, il foutait le bordel sur mon cou. Bon, ça va, j'ai réussi à le choper. Ah, le flotteur plat, ça marche. Je l'ai pris avec un terreau. Ah, désolé, j'avais plus de piles. Ah, j'étais à sec, ça aurait fait une belle scène, mais bon. Oh, je l'ai eu. Ouais, il doit faire 55. Voilà, il a des balafres. Je sais pas si c'est fait attraper par un gros, mais voilà. Un broc. J'avais un bas de ligne bien solide. Hein. J'étais en 12 centièmes nylon bien solide. Allez, bon, ben, on va le remettre à l'eau. J'espère qu'il va dégager, mais qu'il va plus foutre le bordel. Allez, bon là je pense qu'il a compris. Hein, c'est qui le patron? Allez, va te cacher. Là vous pouvez voir, je suis en position, bah là je suis calé. Hein. J'ai posé deux terreaux sur le fond. Bon, j'ai pas vu de traces de brème. Bon, ça pétille pas, donc bon, je sais pas. J'ai fait un peu de gardon. Bon, le brochet il est parti, donc j'ai fait du gardon, goujon, perche, donc je suis sur le fond. Hein. Mais... ouais, les brèmes ne sont pas encore là. Allez, on y croit. Bon, bah, j'ai le brochet encore au bout, là.
C'était dur, j'avais plus de touche. Alors moi je dis j'ai monté une boule, je fais une passe avec une boule. Je fais un petit gardon, puis derrière, deuxième de la journée. Voilà. Petit sifflet qui fait 40 là à peu près. Et ça, vous en avez assez pour perturber le coup. Bon allez, c'est sympa quand même. Ouais, il m'a coûté un bas de ligne celui-là, parce qu'il a coffré en plus. Allez. Bon, j'espère que ça va se calmer là. Hein. Allez. Là, je freine fort. Hein. Bon, ça sent la brème, là. Je sais pas si c'est la brème Magnum, mais... Allez, c'est bon, c'est dans la boîte. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like. Bon, c'était pas la pêche miraculeuse, mais j'ai fait un peu de fiche. Bon, je suis assez content, mes flotteurs plats, ils ont bien fonctionné. Voilà. Bah, 5 heures de pêche, bon, moi j'ai une grosse brème, hein, là, ça c'est de la mémère, hein. Et après, gardons un énorme rotang. Oh la vache! Allez, je vais vous les présenter. Oh, je sais pas combien il y a, il y a 3 kilos. Allez, je vous présente les poissons. Bon, allez, on commence par la brème. Ça, c'est du bétail. Hein. Voilà, ça, c'est de la belle brème. Pas le rotang de compétition. Oh, bétail. Ah, il est à moitié fou, lui. Oh là là! Ça, c'est du beau poisson, hein. Allez, c'était bien cool. Allez. La release. Hop, et là, et tout le monde est reparti. Bon, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, ben voilà, c'est fini. 5 heures de pêche. Je me suis bien fait laver. Voilà, on a eu de l'orage, tout ça. Et surtout, quand il y a de l'orage, on arrête la pêche, hein. On pose sa canne et puis on attend que ça passe. Voilà. Parce que le carbone, c'est conducteur d'électricité, il ne faut pas se faire foudroyer. Voilà, donc après, y a eu l'orage, les brochets. Voilà, je ne fais pas une grosse bourriche. Bon, j'avais des touches, des séries de touches, puis après, plus rien. Bon. Bah, j'ai compris, hein, je fais 2 brocs hein, en plus des poissons. Là. Ah, ça va faire rire mon fils, il va me dire, t'as la malédiction du broc. Voilà. Mon amorce est validée. Donc c'est bon, c'est assez simple à faire, mais bon là j'avais assaisonné comme il faut. Vous aurez bientôt la recette. Et les flotteurs plats, voilà, c'est bon. Hein, alors on a la gamme, pour l'instant on a 5 portances, hein. 2, 4, 6,5, 10 et 15 grammes. Donc... Je vais mettre le lien vers notre site internet dans la description. Vous le retrouverez bientôt au catalogue. Voilà. Et puis, les coloris, vous choisissez. Hein, voilà, c'est les coloris habituels. Hein, noir, vermili, vert fluo. Voilà, donc c'est vous qui choisissez. Tous nos flotteurs plats ont l'option de position d'antenne. Là, ça m'a bien aidé. Parce que j'avais une position où je freinais fort.
Et où on peut même caler un. Puis une où je passais. Pour passer, ça allait bien. En fait, ce flotteur a deux vitesses. La bonne vitesse, c'est quand l'antenne est droite. Et comme il y a deux positions, on varie les vitesses. Bon, merci à ma femme pour l'impression 3D. Hein. C'est elle qui gère la machine et l'ordinateur. Et puis bah, moi, j'avais fait les tests. Bon, ça faisait un moment qu'on était dessus. Là, ça y est, il est sorti. Voilà, voilà. C'est pareil. Hein. Donc bah, ça, c'est incassable. Hein. Voilà. C'est la même matière que d'habitude. Voilà, ça, ça peut pas péter. Les gros poissons sont venus sur la fin. Bon, ouais, j'avais dans la journée, j'ai réamorcé après le passage de deux péniches. J'ai remis des boîtes. Le bed dropper, ça permet d'avoir un amorçage chirurgical. C'est comme si vous descendiez au fond puis vous mettez une poignée. Parce que quand ça tape le fond, pouf, ça se vide. Et après, on le ramène. J'avais mis du Magic Baby. Je pensais avoir des brèmes, mais ça a été long à venir. Voilà, bon, j'ai une brème. J'en décroche une. Et voilà, c'est tout. Alors, si vous souhaitez me contacter pour faire une commande de flotteur, pour autre chose, les bed droppers, pour des conseils, pour demander des tutos, voilà, n'hésitez pas. Donc, j'ai une adresse mail, c'est myfishing80@gmail.com. Je vous la fais apparaître. Voilà. Comme ça, je réponds à tout le monde. Vous pouvez me contacter et je vous réponds. J'espère que ça vous aura bien plu. Allez, on va tout remballer et puis on va faire sécher. Allez, bah gardez la pêche, amusez-vous bien. À plus. Salut.